Sur le chemin, j'ai vu pas mal de panneaux non au projet des futures éoliennes qui seront installées justement ici du côté des Sartines-sur-Olt. Burtini et Saint-Oyen sont aujourd'hui opposés. Elles font front contre ce projet de 4 éoliennes qui sera ici construit à Sartines-sur-Olt. Vous avez fait justement un sondage auprès de la population qui était assez significatif. Rappelez-nous déjà les chiffres. Alors les chiffres pour Saint-Oyen, ça a été extrêmement clair, sans appel. Le résultat est de 93% de votes contre le projet, avec un taux de participation de plus de 65%, ce qui est quand même très considérable. C'est pas des taux qu'on a l'habitude de voir sur des votations populaires. Ici, on est derrière nous sur une zone de source. C'est une zone de protection des eaux. On sait qu'aujourd'hui, au niveau de l'approvisionnement de l'eau, on le voit, il fait extrêmement beau toujours. On a presque 2 mois là où on n'a pas eu de pluie. Et la question de l'approvisionnement de l'eau pour les habitants, elle est très importante et elle est majoritairement dans les soucis qui ont été exprimés par les habitants de Saint-Oyen, en tout cas. En tous les cas, on sait que l'implantation d'une éolienne, c'est 60 mètres cubes de béton par éolienne. Du béton, c'est des matières chimiques, c'est de la ferraille. Et tout ça en zone de source et de protection des eaux, ça nous inquiète énormément.